Tous, c'est Pete Gamer. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de glitch, de tenue, qui va tout simplement consister en fait à avoir le torse et les bras invisibles. Donc, enfin le torse ce sera juste le dos et les bras. Donc ça fait un petit glitch vraiment assez sympa, donc et simple à faire. Donc n'hésitez pas à essayer. Donc voilà, donc on va commencer déjà, il faudra être sur un yacht, donc sur le vôtre ou celui d'un ami. Une fois que vous y êtes, vous allez aller dans SecuroServe, vous allez vous inscrire en tant que PDG, voilà. Une fois que vous êtes inscrit en tant que PDG, vous allez ouvrir votre pad, vous allez aller dans SecuroServe, gérer organisation, style, et vous allez mettre une fois vers la droite. Vous allez quitter ça. Une fois que vous êtes là, vous allez avancer au niveau de là, juste du jacuzzi, jusqu'à avoir la tenue de maillot de bain, voilà. Ensuite vous allez retourner, hop, vous allez récupérer votre tenue. Ensuite vous allez encore une fois retourner vers le jacuzzi pour voilà avoir le maillot de bain. Ensuite vous allez sortir une bombe collante, vous allez la poser juste à côté de vous. Une fois que c'est fait, vous sortez le pad. Ensuite vous démissionnez là, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez démissionné, vous rouvrez encore l'inventaire, vous retournez dans SecuroServe et là vous vous inscrivez, et dès que c'est fait vous faites flèche de gauche pour exploser. Aïe, là je suis mal tombé, je suis tombé dans le bassin, je sais pas si ça va marcher. Si, c'est bon, et voilà. Donc du coup là vous allez respawn avec votre votre maillot de bain en dehors de la piscine. Et du coup ensuite vous avez plus qu'à aller dans votre vestiaire de votre jacuzzi, de votre yacht pardon. Voilà. Une fois que vous êtes dans votre yacht, vous allez pouvoir aller en direction de votre vestiaire. Et une fois dans le vestiaire, vous allez aller dans les hauts, vous allez aller mettre un gilet de braquage, vous allez mettre le premier, hein. J'ai pas essayé avec les autres, mais je pense que ça marche, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on va l'enlever. Donc vous mettez le premier gilet de braquage. Ensuite, vous allez aller dans les vestes par-dessus, là, les blazers pour par-dessus. Et voilà, et là vous allez tomber sur pas de haut, vous cliquez sur pas de haut, et ensuite vous pouvez quitter. Et là, voilà, vous avez votre tenue avec le dos et les bras invisibles. Donc après voilà, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un pantalon si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, mettre un jean à l'arrache, vous voyez, il n'y a pas de souci pour changer les fringues. Vous pouvez mettre voilà des gants, je sais pas si on peut mettre des gants, du coup j'ai dit qu'on peut mettre des gants mais je sais pas, des gants, non on peut pas mettre de gants, on peut pas mettre de gants par contre. On peut peut-être changer la montre. Ouais, on peut changer la montre du coup. Mais donc on pourra pas mettre de gants, on peut mettre des chaussures, on peut mettre des chapeaux. Et voilà, après à vous de faire votre petite tenue comme vous le voudrez. Donc voilà, donc bah ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !